Yo les soldats, c'est le cas du Battle en animation. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 20e anime news. Ça y est, déjà 20 vidéos de ce format, c'est trop cool. Aujourd'hui encore, du coup, je vous invite à mettre un pouce bleu pour me montrer plus que jamais qu'il vous plaît toujours autant, parce qu'il y a un maximum d'informations incroyables. Cette fois-ci, vous n'êtes pas prêts. Des informations sur SNK, Jojo et j'en passe, vous allez kiffer ces news. Mais avant de vous laisser avec les suites, il faut que je vous parle du manga Arrête de me chauffer Nagatoro, qui est sorti en France chez les éditions Noef Graf. Suite à ma demande, ils m'ont envoyé le premier tome de ce manga, et donc Arrête de me chauffer Nagatoro, qu'est-ce que c'est? Déjà, Nagatoro est une lycéenne de première année et côtoie son senpai, qui est ultra timide et facilement effrayé. Nagatoro est moqueuse et cruelle et martyrise son senpai chaque jour, et va souvent un peu trop loin. Là où le titre de la série fait penser à un hentai un peu bancal, la série n'a rien à voir avec ça. Il nous présente deux lycéens qui sont attirés l'un vers l'autre, et qui découvrent leurs sentiments au fur et à mesure des chapitres. Nagatoro peut paraître au début assez énervante et désagréable, mais au fur et à mesure, on l'apprécie de plus en plus et devient une véritable waifu à nos yeux. En passant son temps à embêter son senpai, vous allez vous taper des grosses barres et comprendre que finalement elle a bon fond. C'est clairement ma romance actuelle préférée et je vous invite tous à la lire absolument. Le premier tome est déjà disponible en librairie ou dans n'importe quel magasin qui vend des mangas. Le second tome, lui, sera disponible dès le 28 mai et vous pouvez y retrouver également chez Noef Graphics les deux premiers tomes de Ranger Girlfriend ainsi que d'autres séries vachement intéressantes que je vous recommande fortement. Maintenant c'est bon, on peut y aller avec les informations sur les suites, c'est parti. L'anime Higurashi va avoir le droit à une saison 2, c'est ce qu'a révélé le site officiel de l'anime. Cette suite est prévue pour juillet 2021 au Japon et en France sur Wakanim. I'm Standing on a Million Lives aura également une saison 2, on a eu un premier teaser vidéo pour nous le partager, et c'est prévu pour juillet 2021 également. Toujours pour l'été, il y aura la saison 2 de Otome Game, alias Amefura. Ce sera toujours disponible sur Crunchyroll normalement, et cela doit ravir les fans. Anyo no Yashihime aura aussi une saison 2, aucune information sur la date ou un trailer, on sait juste que ça sortira quand. On ne sait pas. Pareil pour Dr. Stone qui aura le droit à une suite, sûrement de saison 3 en termes de format. Pas d'informations au niveau de la date et on n'a aucun trailer non plus, mais ça va sortir et c'est plutôt cool. Gotobun a eu le droit à la même chose, une saison 3 d'annoncer avec aucune date et aucune autre information, c'est juste que c'est en production et que ça va sortir. Un 13e épisode ou une version longue de l'épisode 12 a été annoncé pour le 29 juin 2021. Au Japon pour Wonder Egg Priority. Cet épisode spécial aura pour but de conclure l'histoire de la série. C'était pas encore très clair, mais en tout cas, l'anime aura une belle fin et c'est cool. Une autre grosse news, le site officiel de Shingeki no Kyojin a révélé la date de diffusion de la seconde partie de l'anime Shingeki no Kyojin Final Season. L'épisode 17 de la saison 4 sortira donc pour l'hiver 2022, ce qui signifie que ce sera pour décembre 2021 ou janvier 2022. Oui, quand on dit hiver 2022, c'est par rapport à janvier, février, mars 2022. Et c'est la news qui est tombée aujourd'hui. Jojo Bizarre Adventure va avoir le droit à sa partie 6 en anime. Donc c'est Stone Ocean. On a eu une petite affiche teaser pour l'instant. Pas de date ni de trailer. Mais ça va sortir et les fans sont clairement ultra contents. On commence la catégorie des animés avec Yusuke, produit par Netflix et réalisé par MAPPA. Il sortira le 29 avril 2021 sur la plateforme et il fera 6 épisodes. Dans un Japon féodal déchiré par la guerre, un peu particulier car il est rempli de mecha et de magie, le Ronin Yasuke, un samouraï africain qui a réellement servi le légendaire Oda Nobunaga, lutte pour maintenir une existence paisible après une vie passée de violence. Mais lorsqu'un village local devient le centre de bouleversements sociaux entre Daimo en guerre, Yasuke doit prendre son épée et transporter un mystérieux enfant qui est la cible de forces obscures et de seigneurs de guerre sanguinaires. Cet animé a attiré un peu de monde, parce qu'il suit l'histoire d'un vrai samouraï d'origine africaine, et donc ça peut être vachement intéressant, mais le côté Japon féodal avec des mechas et de la magie, j'ai un peu peur, j'ai l'impression que s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait pu être une vraie masterclass. Enfin, on verra bien quand il sortira. Un nouvel isekai va sortir, il s'appellera Seirei Gensuki Spirit Chronicles et est prévu pour cette année. On suit Ryo, un orphelin sans cœur qui vit dans les bidonvilles, et à 7 ans, il réalise en fait qu'il est la réincarnation de Haruto,
Amakawa, un étudiant universitaire japonais au passé tragique. Alors qu'il est encore sous le choc de cette révélation, Ryo découvre qu'il possède des pouvoirs magiques extrêmement puissants et qu'il utilise ses nouveaux pouvoirs pour résoudre l'affaire de l'enlèvement d'une petite fille. Sa bonne action est reconnue et il est récompensé en étant inscrit dans une prestigieuse académie pour les riches et les puissants. Mais être un pauvre orphelin dans une école de nobles s'avère être un endroit extrêmement détestable pour Ryo. Un isekai qui ne m'intéresse pas du tout, mais je sais que certains d'entre vous kiffent ce genre d'animé, alors je vous le partage. Pour une fois, je vais vous parler d'un animé d'horreur, Mirko-chan, qui sortira aussi cette année, mais la saison n'a pas été précisée encore. Un jour, Miko a soudainement commencé à voir des esprits que les autres ne pouvaient pas voir. Sa réaction n'a pas été de fuir ni de les affronter, mais de tout faire pour les ignorer complètement. Pourra-t-elle garder un visage impassible et continuer sa vie quotidienne tout en étant entourée de monstres horribles? Voici la question que nous pose ce trailer qui a l'air assez intéressant à voir une fois diffusé. Rapidement, Make You Black Company, dont je vous avais déjà parlé il y a un ou deux anime news, a enfin le droit à un trailer et c'est ultra bon signe. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets une fiche en haut à droite qui vous redirigera vers l'anime news en question. L'anime The Genius Prince Guide to Raising a Nation Out of Debt a eu ses premières infos ainsi qu'un teaser vidéo. Effectivement, ce n'est pas facile d'être un génie. Le prince Wayne est prêt à commettre une trahison. Et qui peut le blâmer? Face à la tâche impossible de diriger son pathétique petit royaume, Wayne ne peut pas s'en sortir. Mais avec son idée géniale de mettre son pays aux enchères, ce prince paresseux devrait pouvoir se retirer une fois pour toutes. C'était le plan, jusqu'à ce que ses plans de trahison entraînent des conséquences désastreuses, des victoires accidentelles et la faveur de son peuple. Ça a l'air assez original, donc à surveiller de plus ou moins près. Pour les fans de Ichi, l'anime Megami Ryo no Ryobo-kun a eu droit à son premier trailer. Et voici le synopsis, nous suivons le quotidien de Koichi Nagumo, un adolescent orphelin, à qui on propose d'être le manager, à tout faire, d'un dortoir rempli d'étudiantes universitaires en difficulté. Sanichi, le synopsis est suffisamment court pour comprendre de quoi il va retourner, ça devrait plaire au bâton de la perversion. Et on termine, du coup, les nouveaux animés annoncés avec Les Mémoires de Vanitas, qui sortira en juillet 2021 au Japon. Un manga que j'avais commencé à lire et qui semblait vachement intéressant. À la fin du 19e siècle, la terreur plane sur Paris. Cette terreur est liée aux attaques de vampires qui rôdent ces derniers temps. Pourtant, la règle d'or de leur communauté est de ne pas s'en prendre aux humains, mais un mal mystérieux semble bien ronger ces créatures immortelles. Nous suivons les enquêtes du duo Noé, un vampire, et de Vanitas, un humain, possédant le fameux grimoire capable de tuer les vampires mais qu'il utilise pour les sauver. Ensemble, ils recherchent l'origine de la malédiction pour la briser et avant qu'il ne soit trop tard. Pour ceux qui savent pas, ça a été fait par le mec qui a fait Pandora Hearts, un classique d'il y a quelques années maintenant. C'est une histoire de vampire qui a l'air assez originale, et qui l'est. Il faudra regarder quand il sortira, vous verrez, ça fera son petit bruit à ce moment-là. Passons donc maintenant aux OAV. Je vous en avais parlé le mois dernier, mais ça y est, on a eu un trailer pour l'OAV de Mao Tsukai no Yume. Cet OAV, ou du moins le premier des trois, est prévu le 10 septembre 2021 avec le tome 16 du manga au Japon. Et également, il y a eu l'annonce d'un OAV pour Tonikaku Kawaii Fly to the Moon. Il y a eu une bande-annonce et cet OAV du coup est prévu pour le 18 août 2021 au Japon. Voilà ce qu'il en retourne pour les OAV. Passons maintenant au film. Jujutsu Kaisen va avoir le droit à un film d'animation. Il adaptera le manga Jujutsu Kaisen 0, qui est déjà sorti en France il y a quelques temps maintenant. Cela correspond donc à un prologue de la série Jujutsu Kaisen, et c'est prévu pour l'hiver 2021 dans les salles japonaises, mais j'imagine qu'on pourra le voir sur Crunchyroll en même temps. Le film Fate Kaled Liner Prisma Ilya Lich Namae no Nai Chuju a eu le droit à un teaser vidéo, et ce film est prévu pour l'été 2021 au Japon. Aucune information pour nous en France. Le film My Hero Academia aura le droit à un troisième film intitulé World Heroes. Il est prévu pour le 6 août 2021 dans les salles japonaises. Et c'est toujours Koei Horikoshi qui est producteur exécutif et qui gère les chara design originales de ce projet. L'histoire mettra donc en scène un incident qui implique le monde entier. Dans le teaser, il est indiqué que la destruction du monde est dans 2 heures. Le trailer a l'air vachement cool. MHA c'est du lourd, donc le film va l'être comme les deux précédents. Black Clover a le droit à une annonce de film, aucune information de plus à ce sujet, mais du coup, on sait qu'il y aura un long métrage de Black Clover, c'est ce qu'a annoncé la Shueisha. Sword Art Online Progressive Yoshinaki Yoru no Aria est prévu pour l'automne 2021 dans quelques salles japonaises. Le trailer est magnifique et clairement j'espère qu'on pourra le voir en France, mais avec le coronavirus, c'est très mal parti d'une part, alors pour qu'en plus on ait les droits en France, ça me paraît très compliqué.
shit out there, yeah. Au niveau des mangas déjà sortis, il y a le tome 8 de Jujutsu Kaisen, le tome 1 des Rakai de l'autre monde, une nouvelle série qui fait un peu de bruit sur les réseaux. My Hero Academia a eu le droit à son 28e volume en France que j'ai lu, il est incroyable. Le deuxième tome de Carol and Tuesday, le 21e tome de Inumaru Sumo, le tome 20 de la partie 8 de Jojo, le tome 33 de l'attaque des titans, les deux premiers tomes de Mashle, le tome 13 de Mushoku Tensei, le tome 7 de Orient Samurai Quest, le tome 10 de Kantakagi Mutakin, le premier tome en version physique de Solo Leveling, beaucoup l'attendaient celui-ci, le tome 8 de Quintessential Quintuplets, le tome 12 de Tokyo Revengers, le tome 24 de Villain Saga, le tome 18 de Fire Force, et enfin le premier tome de Goblin Slayer Brand New Day, un nouveau spin-off de la série. Il y aura aussi le tome 15 de Raw Life, le 21 avril il y aura les deux premiers tomes de Banana Fish, le 8e tome de Fairy Tail 100 Years Quest, le tome 18 de Love X Dilemma, le premier tome de Otome Game, le tome 14 de Your Eternity et le tome 26 de Yamada-kun and the Seven Witches. Le 23 avril il y aura le tome 30 de Black Butler ainsi que le tome 66 de Gintama. Le 28 avril, il y aura le 26e tome de Blue Exorcist, le tome 3 de Grand Blue, les tomes 59 et 60 de Kingdom, le tome 2 de la sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans, ainsi que le premier tome de The Reincarned Swordmaster. Le 29 avril, il y aura le tome 37 de Prisonnier Riku, et enfin le 30 avril, il y aura les deux premiers tomes de Kumakuma Beer, le tome 5 de SO Ordinal Scale, et le tome 4 de SAO Project Alice Edition. Pour rappel, il n'y a absolument pas tous les tomes qui sont sortis durant le mois d'avril ou qui vont sortir. J'ai pris que ce qui me paraissait intéressant et assez connu. Vous avez donc le lien en description pour avoir la liste complète des mangas qui vont sortir durant le mois d'avril. Ça y est, la vidéo est terminée, j'espère que vous l'aurez kiffé et qu'elle vous a apporté plein d'informations. Et si vous l'avez kiffé et que vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner. Encore un gros merci à Iron qui a fait toutes les banderoles pour moi pour me faciliter le montage. Et également un gros big up Ah ouais, qui a rassemblé les informations pour moi, parce que ces derniers temps, je n'avais pas beaucoup de temps. Pour une fois, j'ai pu faire quasiment la vidéo de A à Z, et ça m'a fait ultra plaisir, donc je tenais à vous le partager. Normalement, vous pourrez bientôt voter pour le top des waifus, donc soyez à l'affût, car ça peut arriver très 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 prochainement. C'était Alka du Bataillon, bye.